Pour Saint-Louis.info est allé à la rencontre du handball club Saint-Louisien qui reprenait lui aussi ses entraînements. Une équipe avec deux départs et des arrivées, mais forte d'une cohésion retrouvée la saison dernière. L'équipe senior du club envisage cette année de briller par ses résultats et pourquoi pas la monter. Un avis que partage le capitaine Sébastien Arlotto. On a gagné tous les matchs qu'on avait à gagner. On a fini quatrième de notre poule et sixième du général, puisqu'il y avait deux poules groupées. Après, on a fait des championnats de poule. Le but, c'était le maintien, le haut tableau, pour pouvoir mieux préparer cette saison là, qui arrive. Cette année, on a essayé de jouer la montée. C'est l'objectif du club, de revenir en pré-national. Surtout qu'on a des jeunes moins de 18 ans qui vont arriver l'année d'après avec nous. Il faudrait qu'ils jouent en pré-national. Alors on repart avec le même entraîneur, Frédéric Leclerc. On a perdu deux joueurs. Par contre, on a des retours de 2-3 joueurs qui étaient blessés la saison dernière et qui n'ont pas fait de match avec nous. Ils sont là ce soir d'ailleurs à l'entraînement. Ben on va dire fort de notre saison dernière où on fait une belle fin de saison en battant vraisemblablement des équipes plus fortes que nous avec une bonne dynamique. Donc on essaie de repartir sur la même chose pour cette année et jouer au moins les deux premières places pour monter cette année et accéder au niveau supérieur avec beaucoup de monde en ce début de saison. Donc on sent que la dynamique a bien pris. Il y a des jeunes qui poussent, il y a des anciens qui reviennent, la dynamique est bonne et on espère que tout ça, ça va fonctionner. Donc voilà, c'est surtout au niveau mental où le groupe a progressé, le groupe s'est reconstruit. Il y a une dynamique collective, il y a une envie collective, il y a une envie de réussir, que chacun donne le meilleur de lui-même. Et c'est ça, je pense, qui va nous permettre d'accéder au niveau supérieur. Premier match, c'est qu'un match test. C'est la Coupe de France, on n'a pas beaucoup d'ambition là-dessus, mais c'est pour poser un peu le niveau de l'équipe. Donc le 10, contre Rognac-Velot, à Coubertin pour Saint-Louis, à 20h45.